Bonjour et bienvenue sur tablettechinoise.net pour le test de ce drone Ubsan X4 H501S. Je remercie le site Gearbest de me l'avoir fourni pour le test. Ce drone est une excellente surprise, très complet, il est très bien équilibré, on peut voler avec du vent, les moteurs brushless sont de qualité, il y a quand même quelques défauts, j'en parlerai dans la vidéo. Et je vous laisse pour ce test où j'ai séparé chaque mode avec différents plans dans différents lieux. Les temps de début de chaque vidéo sont inscrits dans la petite nomenclature de la vidéo. C'est parti pour le test en vidéo. On va passer en mode sans tête dès qu'on aura fait la mise au point. Il suffit d'appuyer ici. Donc là, on va en avant, à droite, à gauche. Et donc le mode sans tête permet de revenir par exemple sur soi en allant toujours du même côté, donc à droite, hop, sur notre droite, à gauche, sur notre gauche. À droite, à gauche, le plus gros défaut est la taille du transmetteur, très imposant. Pas de touche hold pour bloquer les commandes, donc il ne peut pas être placé dans un sac à dos. Pour le mode follow me, c'est beaucoup moins intéressant que des drones qui sont fournis avec une montre où le drone suit le GPS de la montre. Donc je vais essayer cette petite lentille qui est livrée avec.
Alors le pack est vraiment complet. Une batterie pour le drone, une batterie pour le transmetteur, plus de problème de pile, ça c'est vraiment bien. Le chargeur est le même pour les deux batteries, vu que ce sont des batteries 2S. Donc comme je vous disais, dans le déballage, le chargeur n'est pas en USB, donc quand même une meilleure qualité qu'un chargeur USB. Celui-là, il y a un chargeur qui est séparé du transformateur. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon alors, ça se colle. On va essayer de le coller proprement. C'est mieux. Bien au centre. Donc la lentille ND que j'ai pas encore essayé. Voilà. Donc ça dépasse un petit peu. On doit pouvoir le voir. On va essayer concrètement un peu sur les deux faces. Bon, lentille ou pas, pour l'instant je ne vois pas grande différence. On a la batterie qui est dans rouge, donc on va pas abuser. On va se tourner assez rapidement vers le soleil. On va monter en altitude. Voilà, on est à 100 mètres. 110, 120 mètres, voilà, soleil de face. On va activer un peu la caméra. Une petite photo. On est en stationnaire. Voilà, la batterie est en rouge. On va faire un retour to home rapidement. Le modèle est tellement facile, tout est bien assisté, les GPS fonctionnent bien, qu'il peut être piloté par un enfant. La preuve.
mètres d'altitude. Ici, on est encore à 0 mètre. On va monter, prendre un peu d'altitude. Voilà, on passe au-dessus des arbres. On va enclencher la caméra. Et on part. Donc là, nous sommes à 21 mètres d'altitude. S'il n'y a pas ça, ça n'enregistre pas sur la carte SD que l'on a mis avant de démarrer le drone. Je vais accélérer un peu parce que sinon on n'ira pas jusqu'au bout. Mais bon, on voit déjà des interférences. Je vais monter un peu. Voilà, on est à 40 mètres, 43 mètres, 42. À une distance de 80 mètres. Là, j'ai plus d'image, je suis à 100 mètres. Je vais essayer de me dépasser en champ un peu plus libre. Parcouru 97 mètres et on est à 50 mètres d'altitude. Allez, on va repartir. Je suis en champ un peu plus libre. On voit bien que l'image là est propre. Voilà la différence. Là, il y a moins d'interférences. Pourtant, j'étais juste derrière un petit arbre. Ça joue énormément. Donc là, on est à 222 mètres, 230, à 250 mètres. On a commencé à perdre un peu le signal, mais ça va. On va essayer de continuer. Donc il est donné pour 300 mètres. Je pense qu'on va y arriver. On est à 286 mètres. Ça reste assez propre. Nous sommes à 295 mètres. 300 mètres, 50 mètres d'altitude. On y va largement. On a encore du signal. On perd quand on avance. Là, on est en perte de signal. Voilà, là on est en perte de signal, on est à 346 mètres et à 50 mètres d'altitude. Je vais essayer de monter un peu. Voilà, 60 mètres. Donc 350 mètres. 363 mètres. 400 mètres. exactement. 103 mètres et on a toujours du signal. À 65 mètres d'altitude. C'est vraiment pas mal. 450 mètres de distance. Ça fait une bonne distance. 450 mètres, on a des paires de signal.
Donc là, on peut faire un petit retour to home et le drone va revenir tranquillement à son point de départ. On touche plus rien au contrôleur, tout se fait tout seul, c'est vraiment fantastique. C'est un drone qui est bien équipé avec son double GPS, c'est vraiment très bien. On prend déjà plaisir sans perdre son drone, sans avoir à courir à droite à gauche pour aller rechercher